toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Parce que vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent, je termine avec vous le vendredi. Et nous sommes le vendredi 20 octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, vous allez répéter trois fois ces trois phrases. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mes anges de me rappeler votre présence. On termine bien la semaine parce que j'ai pigé. Eh bien, ouvre ton cœur en conscience. C'est le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur et sa couleur, elle est verte. L'amour, oui, ce chakra, il est relatif à l'amour et à l'amour véritable et à l'acceptation de soi et à l'amour des autres aussi, n'est-ce pas? Il se trouve, entre les deux seins, au sternum. Et lorsque ce chakra est très, très harmonieux, eh bien, votre petit cœur est ouvert et vous n'avez pas peur d'aimer. Et rien ne peut résister aux vibrations de l'amour. Véritable rempart, n'est-ce pas, contre la tristesse, la colère ou la maladie. Les sentiments sont dénués de conflits et seul le détachement, la sagesse, la compassion, la joie de vivre et la sincérité règne en maître, purifié et ouvert. Et ce chakra, eh bien, il nous fait accéder à l'amour inconditionnel, un amour, n'est-ce pas, que l'on ne peut ni posséder ni perdre. Lorsque ce chakra est obstrué, lorsque chakra n'est pas dans l'alignement des autres, eh bien pour certains d'entre vous, vous acceptez difficilement. Pourquoi? Vous vous sentez peut-être mal aimé, rejeté, ou vous avez peur peut-être d'aimer et d'être aimé. On a l'impression que vous masquez votre manque d'ouverture à l'amour derrière une froideur qui vous éloigne de vous-même et des autres. Vous avez mis une carapace, vous avez mis un masque. Peur qu'on découvre peut-être votre fragilité, dépendant pourtant de l'amour des autres, paranoïaque, indécis, dans l'attachement des personnes et des choses, eh bien, vous avez peur. Peur d'être rejeté et l'indifférence, cela vous foudroie. Pourquoi avez-vous peur d'être rejeté? Avez-vous, dans votre enfance, dans votre jeunesse, eu des problèmes à ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a de la famille qui a rejeté cet amour qui vous a rejeté? Parce qu'à ce moment-là, ça vient de très 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 profond, n'est-ce pas? Lorsqu'on a peur d'être rejeté, c'est que on a été rejeté peut-être dans notre enfance, dans notre jeunesse. Donc, il y a des solutions, n'est-ce pas, à remettre ce chakra dans l'alignement. Il y a des solutions pour qu'il ne soit plus obstrué. C'est un travail sur soi qu'on doit faire. Alors, la solution, c'est rayonner l'amour en toutes circonstances, en le faisant naître de l'intérieur, sans attendre, n'est-ce pas, qu'il ne vienne de l'extérieur, prendre soin de soi en premier lieu, pour déborder d'amour et d'énergie pour les autres. Mais en premier lieu, c'est de vous aimer. Ça, c'est la première des choses, n'est-ce pas? Vous aimez pour pouvoir aimer et pour recevoir l'amour. Prendre de la distance par rapport à
des événements, que ça ne vous touche pas, et de la compassion. Bref, ouvre ton cœur en conscience. Peut-être que certains d'entre vous, eh bien, tu as été déçu, tu as été trompé, tu as été trahi, ou tu as été abusé, ou même encore tu as peut-être perdu des êtres proches. Et tu as pris la décision de fermer ton petit cœur plutôt que d'exposer de nouveau à souffrir en aimant. Donc tu as fermé ce petit cœur au lieu de t'exposer. Tu as tendance à beaucoup attendre des autres pour t'autoriser à aimer. Mais tu n'as pas besoin des autres, n'est-ce pas, pour t'autoriser à aimer. Hélas, qui se coupe de son cœur s'éloigne de soi, puisque le cœur est le siège de l'âme. Comment veux-tu être aimé bien si tu ne sais pas aimer? Comment veux-tu être aimé bien si tu ne sais pas aimer? Est-ce que ça te parle, ça? Eh bien, commence par te connecter à ta source, à ta source d'amour personnel intérieur, en tout simplement savourant l'instant et en te sentant vivre pleinement. Fais les choses avec amour. Tu peux ressentir de l'amour en observant, eh bien, la beauté d'un paysage, d'une scène émouvante, d'une émotion naissante, en prenant de la hauteur et en contemplant l'horizon. Tu peux ressentir de l'amour en voyant une rose, en voyant un sourire. Le fait, n'est-ce pas, de s'ouvrir à une énergie d'amour en toi, eh bien, cela te fera accéder à une guérison intérieure propice, à générer des événements heureux. Tu sais, avoir peur d'aimer, n'est-ce pas, c'est se couper de la source qui te permet d'accéder à ton unité. Alors, aime. Aime. Aime de nouveau. Même 3 semaines, 3 jours ou 3 heures, pourvu que tu te sentes de nouveau vibrer. Maintenant, si tu as mis ton petit cœur dans une cage, ouvre cette cage. S'il te plaît, ouvre cette cage. Ne reste pas dans cette thématique-là. Ouvre ton cœur. Waouh, quel beau message pour terminer cette semaine. Vous savez, quand je pense à ce que je viens de vous dire, j'ai été dans ce cas. Il y a longtemps que je ne le suis plus parce que j'ai ouvert mon cœur. Je l'avais fermé. J'avais fermé mon cœur. Je l'avais mis dans une cage et j'avais mis un cadenas à cette cage. Et le travail que j'ai fait sur moi-même, un travail qui a duré des années, eh bien, j'ai ouvert cette cage, j'ai ouvert cette porte pour pouvoir aimer, pour pouvoir prendre les choses avec distance et dans la compassion, ne plus être dans une éponge, ne plus que ça m'atteigne. Mais j'ai été, je l'ai été par
par trahison, par abus, par tromperie. J'ai vécu tout ça. Mais je me félicite du travail que j'ai effectué depuis maintenant tellement d'années. Et là, je peux vous dire que rien, je suis émerveillée. J'ai un amour inconditionnel. Les personnes qui peuvent me faire du mal, je leur envoie de l'amour. Et voilà, très beau message, n'est-ce pas? On termine avec ne plus avoir peur. Je pense aux forces immenses que je porte en moi et que j'ignore trop souvent. Ben oui, on a bien souvent, on ne connaît pas la force intérieure qu'on a en soi. Nous avons tous en nous des capacités insoupçonnées, même si nous ne les connaissons pas. Elles sont là et attendent d'être découvertes. En y pensant, nous les aidons à émerger. Eh bien voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée. Je vous retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous embrasse. À très vite.